الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إمام المتقين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ونسأل الله سبحانه وتعالى celui qui a réuni en ce jour immense entre deux fêtes pour les musulmans, Eid al-Adha, le jour du sacrifice, est le plus grand Eid chez les musulmans. Et le Eid de la semaine est le vendredi. Et Allah tabaraka wa ta'ala nous a comblé de ses bienfaits en unissant ces deux jours, en unissant ces deux fêtes dans ce même jour. Durant ce jour, Allah tabaraka wa ta'ala nous a légiféré de nombreuses choses afin qu'on puisse se rapprocher de lui davantage, encore et toujours. Il a légiféré le fait de le louer avec abondance, le fait de faire beaucoup de dhikr. Il a légiféré le sacrifice, al-udhiya, et cela après salat al-Eid. Celui qui a sacrifié avant salat al-Eid, alors ça sera une viande comme une autre, mais cela ne lui sera pas compté en tant que sacrifice. Allah tabaraka wa ta'ala nous a également légiféré le discours du vendredi. Le discours du vendredi. Et le musulman se réjouit lorsqu'il voit les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, car il sait que dans leur accomplissement, il y a son salut dans ce bas monde et dans l'au-delà. Et que c'est une cause pour pouvoir se rapprocher de son Seigneur. Il sait qu'il n'a été créé que pour adorer Allah tabaraka wa ta'ala d'un culte sincère, comme il nous le dit dans son livre « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent ». Et ce jour nous rappelle une histoire immense qui a été citée dans le Coran, l'histoire d'Ibrahim alayhi salam et l'épreuve qu'il a eue lorsqu'on lui a ordonné d'égorger son fils Ismaïl. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que la personne est éprouvée à hauteur de sa foi. Plus elle est pieuse, plus son épreuve sera lourde et difficile. Ibrahim alayhi salam est le père des prophètes, le guide de la voie droite. C'est un homme qui a fait devancer l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala devant toute autre chose. Un homme qui a cassé les idoles de son peuple avec sa propre main. Un homme qui s'est détourné de son peuple car ils étaient dans l'adoration des idoles. Et lorsqu'Ibrahim alayhi salam a atteint un haut degré dans la foi et dans la piété, Allah tabaraka wa ta'ala l'a éprouvé. Il était marié à une femme pieuse qui s'appelle Sarah, mais il n'a pas d'elle d'enfant. Ibrahim alayhi salam, après avoir atteint l'âge avancé, a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala et il lui a demandé de lui accorder un enfant pieux. Un enfant pieux qui fera du bien et lui sera profitable dans ce bas monde et dans l'au-delà. Il a donc invoqué Allah Azza wa Jal. Il s'est donc ensuite marié avec Hajar. Et selon certains historiens, Sarah, son épouse, lorsqu'elle fut stérile, a préféré lui donner Hajar afin qu'il se marie à elle et puisse avoir des enfants. Allah tabaraka wa ta'ala a exaucé la vocation d'Ibrahim et il lui a donné un enfant pieux qui se nomme, comme vous le savez, Ismaïl. Et de cela, on tire l'espoir pour toute personne qui n'a pas eu encore d'enfant après quelques années de mariage. Ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car Allah tabaraka wa ta'ala est ala kulli shay'in qadir. Il est omnipotent. Il est bon. Et il donne avec largesse, wa huwa ar-razzaq, et c'est le pourvoyeur. Regardez ici, Ibrahim alayhi salam, son épouse était stérile. Il lui avait atteint un âge avancé. Et malgré cela, Allah Azza wa Jalla lui a accordé un enfant. Et en plus de cela, il en a fait par la suite un prophète. Il en a fait par la suite un prophète. Donc on doit toujours avoir une bonne opinion d'Allah subhanahu wa ta'ala et espérer de lui la descendance. Et si Allah Azza wa Jalla ne lui donne pas d'enfant, c'est par une sagesse et une science. C'est avec sagesse et science qu'il ne t'a pas donné cet enfant. Et il sait, et nous ne savons pas.
Ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, puis quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, Ibrahim dit au fils, je me vois en songe, en rêve, en train de t'immoler. Vois donc ce que tu en penses. Ismaël dit, ô mon cher père, fais ce qui t'est commandé. Fais ce qui t'est commandé, tu me trouveras, s'il plaît Allah, si Dieu veut, du nombre des endurants. Tu me trouveras, si Dieu veut, du nombre des endurants. Comme cela a répondu Ismaël alayhi salam à son père. Donc Ibrahim alayhi salam a vu en rêve qu'on lui ordonnait d'égorger son fils. Qu'il a attendu de nombreuses années, qu'il a tant espéré avoir. Mais Allah azza wa jalla a voulu éprouver. Car Ibrahim alayhi salam aimait Allah d'un amour immense. Et rien ni personne avait pu obstruer cet amour qu'Ibrahim alayhi salam avait pour son Seigneur. Donc lorsqu'Allah lui a donné Ismaïl, il a voulu l'éprouver. Est-ce que cet enfant allait obstruer l'amour qu'avait Ibrahim alayhi salam pour son Seigneur? Ou bien il n'allait pas le distraire de l'obéissance et de l'adoration d'Allah azza wa jalla? Alors Ibrahim alayhi salam est parti voir Ismaïl et lui a dit, je me suis vu en rêve en train de t'égorger. Et les rêves des prophètes ne sont que vérité et font partie de la révélation. Contrairement à nos rêves à nous, certaines personnes parmi les gens égarés, lorsqu'ils font un rêve, ils prennent de cela des règles religieuses. Et cela est un égarement évident à la façon des soufis ou al-iyadu billah. Jamais on n'aura jamais le droit de changer la législation d'Allah Azza wa Jalla à travers un rêve. Cela est propre aux prophètes et aux messagers. Il a donc consulté son fils, non pas pour qu'il lui dise ce qu'il devait faire, mais pour l'associer à lui dans la récompense. Quelle réponse a eu Ismaïl alayhi salam? Il a répondu, « Ya abati fa'al ma tu'mar, ô mon cher père, que ce qui t'a été commandé. » Ibrahim alayhi salam, regardez comment est-ce qu'il s'adresse à son fils, « Ya abunay, ô mon cher fils. » Et regardez comment Ismaïl répond à son père, « Ya abati, ô mon cher père. » Comme de cela nous tirons le comportement que les parents doivent avoir avec leurs enfants et que les enfants doivent avoir avec leurs parents. Alors Ismaïl alayhi salam s'est soumis à l'ordre d'Allah et il lui a dit, ô mon cher père, fais ce qu'il t'a été ordonné. Fais ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné, tu me trouveras, si Dieu veut, du nombreux des patients. Ismaïl et Ibrahim ont espéré la récompense d'Allah. Ibrahim et Ismaïl se sont soumis à la volonté d'Allah et à son décret. Et lorsqu'Allah tabaraka wa ta'ala dit Ibrahim alayhi salam, ainsi que son fils Ismaïl se soumettre à son ordre, il a levé cet ordre et il lui a remplacé par une bête qu'il allait égorger à la place de son fils. Il a posé son fils et l'a retourné. Et lorsqu'il a pris l'objet afin de l'égorger, on lui a ramené une bête pour l'égorger à la place de son fils Ismaïl. À la place de son fils Ismaïl. On a donc appelé Ibrahim et on lui a dit que la vision qu'il a eue était véridique. Et on lui a lancé la bonne nouvelle qu'il avait réussi son épreuve. Allah Azza wa Jalla dans le Coran nous montre que cette épreuve est une épreuve immense. Qui pourrait égorger son fils qu'il a attendu de nombreuses années? Et qu'on se rassure, dans l'islam, on ne nous demande pas cela. On ne nous demande pas cela, mais d'adorer Allah Azza wa Jalla d'un culte sincère. De préserver 5 prières à la mosquée, de préserver 5 prières à la mosquée, de s'acquitter de l'aumône légale, de jeûner un mois dans l'année, d'accomplir le pèlerinage une fois dans notre vie. Regardez le comportement d'Ibrahim alayhi salam, ainsi que celui de son fils, et regardez notre comportement à nous devant les anges d'Allah Azza wa Jalla. Regardez l'immensité de son épreuve et regardez les nôtres. Subhanallah. Ibrahim alayhi salam n'a pas hésité à accomplir l'ordre d'Allah azza wa jalla, malgré son immensité et sa difficulté. Et nous avons du mal à préserver nos prières dans les demeures d'Allah tabaraka wa ta'ala, alors que tout notre bien réside dans la soumission et l'accomplissement des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. De cette histoire, on tire de nombreux enseignements. Parmi cela,
Le fait de se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala est une clé pour recevoir la facilité. Lorsque Ibrahim s'est soumis à l'ordre d'Allah, Allah lui a remplacé son épreuve par une chose plus simple et plus facile à accomplir. On tire de cela aussi la bonne éducation et que ça donne de bons fruits. Comment se fait-il que Ismaïl alayhi salam avait ce comportement? Car il a reçu l'éducation de son père Ibrahim alayhi salam et celui de sa mère, Amada Hada, cette femme pieuse. Donc celui qui veut avoir des enfants comme Ismaïl, qu'il soit comme Ibrahim alayhi salam. Et celle qui veut avoir des enfants comme Ismaïl, qu'elle soit comme Hadar, radiallahu anha. On tire de cette histoire aussi qu'on ne doit jamais désespérer de la miséricorde d'Allah. Et lorsqu'Allah nous retient un bienfait, il se peut qu'il nous le donne plus tard. Et s'il ne nous le donne pas, c'est par une sagesse et c'est pour notre bien. Allah répond toujours à la vocation de son serviteur. On tire également de cette histoire qu'il y a après la difficulté, la facilité. Il y a après la difficulté, la facilité. Et on voit aussi la grande place d'Ibrahim alayhi salam et celle de la grande place d'Ibrahim alayhi salam ainsi que de son fils Ismaïl alayhi salam. Voici la cause ou bien la base de la sunna de l'Udhiya, du sacrifice, et pourquoi nous égorgeons cette bête. Et il est recommandé, après avoir égorgé cette bête, de faire don d'une partie de celle-ci, de faire profiter les voisins, les proches, d'en donner en sadaqa, en commençant par les personnes qui sont dans le besoin, celles que nous connaissons et celles que nous ne connaissons pas. Et une question qui est souvent posée, est-ce que nous avons le droit d'offrir de cette bête et d'en donner une partie à nos voisins s'ils ne sont pas musulmans? Naam, la bienfaisance envers le voisin est une grande part, a une grande part dans l'islam. Donc il n'y a aucun mal dans cela, et ce sera peut-être une cause pour faire pencher son cœur vers l'islam. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال والأضحية نسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم الخيرات فينا وعلينا إنه أكرم مسؤول سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا الله لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وأسأل الله تبارك وتعالى أن يديم العيد علينا بالخير والسرور والفرح وأن يحفظنا وإخواننا في كل مكان في سوريا وبرما وسائر بلاد المسلمين والحمد لله رب العالمين.